Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la montée des violences meurtrières dans la région anglophone, le gouvernement privilégie le renforcement des opérations sécuritaires, là où l'opposition appelle à une négociation d'un cessez-le-feu et l'instauration de nouveaux dialogues plus inclusifs. Au-delà des frontières nationales, comment la crise anglophone va-t-elle susciter l'attention de la nouvelle administration Biden aux États-Unis, un pays très engagé dans la résolution de la crise anglophone au Cameroun? Vous suivrez dans ce journal des analystes politiques se prononcer sur l'arrivée de Joe Biden aux États-Unis et les futures relations bilatérales entre Yaoundé et Washington. Et au Cameroun, des populations sont sans abri, victimes de graves inondations à l'extrême nord du Cameroun. Les mesures prises jusqu'ici sont insuffisantes pour faire face à une crise humanitaire qui se dessine dans le septentrion. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le gouvernement privilégie, je vous le disais à l'instant, le renforcement du dispositif sécuritaire et l'accentuation sur la stratégie militaire. Pourtant, les exactions se multiplient, la violence meurtrière prend un coup important et inquiétant selon la communauté nationale et internationale. Mais le ministre de la Défense rendu à Koumba a déclaré une nouvelle guerre aux auteurs des actes de massacre des enfants dans cette partie de la région du Sud-Ouest. Évocation avec Danny Warren Zede et Jean-Paul Chougnat. Arrivé par hélicoptère à Bouya dans le Sud-Ouest, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Béthi Assomon, et tous les chefs de différents corps de défense et de sécurité sont en route pour Koumba, localité où les 7 élèves de la Moda Francesca College ont été abattus le 24 octobre dernier. C'est en fait jeter la psychose dans les esprits, mener les enfants à ne pas aller à l'école, contraindre les parents à ne pas les envoyer à l'école. Et tout cela à la première richesse d'un pays, sa jeunesse. Certains disent le Cameroun de demain, moi je dis le Cameroun d'aujourd'hui. Et si nous avons une jeunesse privée d'éducation, privée d'instruction, qu'est-ce que ces jeunes vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Près de 48 heures après l'inhumation de ces âmes innocentes, Joseph Béthi Assomon est à Koumba pour deux missions. D'abord, le réconfort aux familles des enfants disparus. Nous voulons vous prier de recevoir nos condoléances. Vous les avez déjà reçues, vous ne les recevrez jamais assez. Vous ne les recevrez jamais assez de la part des autres familles qui vous assistent. Ni de vos autorités administratives, municipales, politiques aussi. Dans la peau d'un parent, Joseph Béthi Assomon mesure la douleur et toute la peine de perdre un enfant dont le seul péché était de se retrouver dans une école pour acquérir le savoir et des connaissances. Détruire l'avenir des enfants, la prendre en otage comme il veut le faire, vous comprenez très bien que cela n'est pas tolérable par la nation, par les parents que vous êtes, bien que vous représentez, et encore moins par l'État. Joseph Béthi Assomon est aussi là pour remobiliser, galvaniser et encourager les forces de défense et de sécurité, plus ou moins éprouvées par une guerre qui a déjà fait des centaines de morts d'entre les civils et les militaires, venus en compagnie des hauts gradés de la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Le ministre Joseph Béthi Assomon fait surtout le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre pour la protection des populations, vivant dans la peur de perdre leur vie ainsi que leurs biens dans le Sud-Ouest. Au général de brigade Ntungé Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, et le général de brigade aérienne Eba Benoît, commandant la 2e région militaire, le haut commandement prescrit un renforcement du dispositif et des mesures sécuritaires contre toutes les bandes armées et assaillants qui ont décidé d'instaurer l'anarchie dans la République en tuant innocents, détruisant infrastructures et portant atteinte à l'intégrité territoriale du Cameroun. Ceux qui ont pris les armes contre la République doivent être traqués jusque dans leur dernier retranchement, a conclu le ministre de la Défense, Joseph Béthi Assomon, au terme de cette visite de travail dans la région en crise du Sud-Ouest.
Au-delà des régions anglophones, l'insécurité dicte également sa loi dans une banlieue située dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Là-bas, les agressions et vols à main armée se multiplient de jour comme de nuit. L'absence d'éclairage public aggrave l'insécurité. Même le comité de vigilance peine à juguler ce phénomène sans unité de police ou de gendarmerie dans une zone où les routes sont devenues impraticables depuis de nombreuses années en plein cœur de la cité capitale. C'est un grand reportage signé Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. Quartier Équier, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. L'insécurité est suspendue, telle une épée de Damoclès, au-dessus des têtes. C'est au moins la 7e fois dont je suis victime des coups de vol, d'agressions dans le quartier. Ben, le plus récent, c'est il y a de cela quelques jours, exactement jeudi de la semaine passée. Je ressortais d'un deuil à mi-moment. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les populations dénoncent pêle-mêle les agressions et autres vols dont elles sont victimes au quotidien. En fait, nous, on travaille souvent dans la nuit, il n'y avait pas de problème. Mais cette fois-ci, il y a déjà les mauvais gars ici. On ne peut plus travailler dans la nuit, dans la zone-ci. Nous ne sommes pas du tout en sécurité. Hein. Tant que la route est mauvaise, on est aussi en insécurité. Partout où tu ne parviens pas à rouler normalement, même un bandit peut surgir sur toi à tout moment pour te faire tout ce qu'il peut te faire. Une insécurité favorisée par le mauvais état de la route et l'absence d'éclairage public. Je suis enseignante au collège Mfandja. Donc j'ai vraiment de la peine le matin quand je me lève, quand je pense que je vais aborder cette route. Donc c'est un peu difficile. Je prie que l'État mette vraiment l'œil sur cette route parce que ça ne va pas. Je me sens pas en sécurité parce que la route d'abord dans l'obscurité n'a pas de lampadaire. Non seulement la route n'est pas bitumée. Vous le constatez vous-même, c'est-à-dire que les lampadaires sont allumés dans la journée, mais la nuit, c'est l'obscurité. C'est-à-dire que bon, c'est plutôt le monde en l'envers. Le quartier devrait être éclairé la nuit. Hein? C'est-à-dire que c'est ce qui est logique. Et maintenant, donc, dans la journée, économiser l'énergie. C'est le chef du quartier qui a déployé la population tout récemment pour essayer de faire des petits travaux pour qu'elle soit un peu plus praticable comme elle est là. Mais sinon, elle était impraticable. Nous sommes obligés de sortir remplis de boue, parfois même aller s'échanger dans des lieux de service. Donc c'est un peu ce qu'on vit ici au quotidien. Pour faire face à cette insécurité grandissante, les populations sont organisées autour de leur chef pour mettre sur pied un comité de vigilance. L'idée de mettre un comité de vigilance vient déjà du fait que nous sommes tous au courant que le pays passe des moments difficiles. L'insécurité, on le vit un peu de partout. Donc c'était une manière pour nous les jeunes du quartier mettre également notre quartier en sécurité ainsi que la population qui s'y trouve. Je vous dis, nous attrapons tout ce qui n'est pas bon et nous remettons à la police. À la police d'investiguer et de faire son travail. Notre problème, c'est seulement qu'il y ait de la paix et du calme, que les gens dorment en sécurité. Sauf que les résultats obtenus par le comité de vigilance ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Ils sont là, mais il faut encore beaucoup de renforts. Rien que l'autodéfense, eux seuls, ils ne peuvent rien. Ouais, je souhaiterais beaucoup plus, surtout au niveau de la police, qu'ils essaient encore de faire la patrouille comme ils faisaient avant. S'ils faisaient encore la patrouille comme avant, c'est que les cas de vol, de coups d'agression, c'est un peu limité. C'est un comité de vigilance qui nécessite aussi quelques moyens, parce que les moyens ici, ce sont les ressources que je veux qualifier de ressources de la population. Et tout le monde ne consent pas ça de la même oreille. Parce qu'il y a des gens qui se demandent mais pourquoi donner mes 1000 francs à la fin du mois alors que c'est utile à tout le monde. Dans notre zone ici, nous sommes l'un des rares comités de vigilance en fonction, et je dis bien début 2015. Il y a aussi que la moralité de certains membres laisse à désirer, tel que le regrette le sieur Kamga, victime de l'une de leurs bavures. J'ai été violenté d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont profité de cette occasion pour me soutirer mon argent, une somme de 25 000. Ma montre de marque Diesel, ma chaîne, mon téléphone et la clé de mon véhicule. C'est une très bonne initiative, mais quand même, il faut juger la qualité des gens, il faut faire une étude. Il ne faut pas prendre des bandits pour qu'ils viennent encore mettre le quartier en mal. En tout état de cause, la seule volonté des populations ne suffit pas à apaiser les esprits. D'où le plaidoyer que mène le chef pour la création d'une unité de police ou de gendarmerie à Équier. Nous avons déjà travaillé sur ce point où il y a un volontaire qui a son terrain
et dont le terrain est titré. Et lui, il s'est porté garant à nous donner un espace pour le poste de police. Ce qu'on nous apporte, peut-être un poste de police, c'est-à-dire que ça, c'est déjà un avantage. En attendant, c'est le sauve qui peut. Chaque habitant s'organise à sa manière pour assurer sa propre sécurité, sous le regard presque impuissant du comité de vigilance, dont les moyens sont limités. C'est la mairie qui a la charge des comités de vigilance au niveau de l'entretien, lampes, torches choisibles, sifflets et autres petits nécessaires. Vous allez voir que ici chez moi, il y a de l'éclairage public. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de volonté humaine. Mais c'est normalement la mairie qui a la charge de l'éclairage public. Et puis, il y a quelques petites lanternes encore à ce niveau. Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 4, à la limite du très populaire quartier Kounou, et qui rêve grand. Mais le chemin qui mène à la réalisation de ce rêve est parsemé d'embûches. En dehors de l'insécurité qui dicte sa loi, l'accès aux services sociaux de base demeure un grand défi. Les efforts propres des populations ne suffisent pas. Regarde l'état de la route qu'on passe avec le corps d'un membre d'un grand type. Après ce grand reportage réalisé dans une banlieue du 4e arrondissement de Yaoundé, mettons le cap sur l'extrême nord du Cameroun, là où une catastrophe humanitaire se dessine. Une région frappée de plein fouet par de graves inondations. Plus de 500 familles sont désormais sans abri. Elles manquent cruellement de nourriture et de toit. Et les enfants sont exposés au risque de famine. Selon leurs parents, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles après avoir perdu leur maison dans ces graves inondations. C'est un reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Des enfants qui se livrent à une partie de pêche dans la cour de leur maison. Des hommes dans une pirogue effectuent la traversée pour se rendre chez un voisin. Le fleuve Logone est sorti de son lit. Les eaux ont envahi des quartiers entiers, détruit maisons et plantations. C'est un paysage de désolation qui s'offre désormais aux populations des quartiers Madagascar, Babo, Nenga, dans le département du Logone et Chari, dans la région de l'extrême nord. Depuis le 2 novembre 2020, ces familles ont perdu sommeil, victimes des inondations. Les enfants ne vont plus à l'école. La situation est critique ici. Pour se mettre à l'abri des intempéries, pour survivre, il faut utiliser les moyens du bord. Pour construire des tentes de fortune grâce à des bouts de tissu et des piquets. Plus de 500 familles dorment ainsi à la belle étoile depuis plusieurs jours. J'avais ma maison bien et puis... Et c'était pris par l'eau. C'est pourquoi j'ai placé ma tente ici. Puisqu'il y a l'inondation, on est chaque fois tombé malade, on est chaque fois pris par le palis. Nous sommes là restés, nous attendons si le gouvernement viendra peut-être à notre secours. Il y a tellement de dégâts. Il y a beaucoup de maisons qui se sont écroulées dans l'eau. Et il y a certains là qui ont quitté leur maison. Et on a aussi des enfants là que, dès que l'eau arrive, ils ne savent là où dormir. Et il y a aussi des maladies qui sont en train d'attaquer ces enfants. Et nous voulons vraiment qu'une aide urgente. Dans cette situation de précarité, les habitants sont pourtant contraints d'effectuer de grosses dépenses journalières, puisqu'aller d'un bout à l'autre nécessite des coûts. Quand nos enfants partent à l'école, il faut d'abord monter dans la pirogue pour arriver à l'école. Nous dépensons énormément par jour. Et cela, comme avec l'arrivée du coronavirus et toutes les frontières sont fermées, nos activités sont aux arrêts, on a de quoi faire quoi. Ne serait-ce que pour aller payer le sucre à la boutique, il faut monter dans la pirogue et cela est payant. J'étais à la boutique pour aller acheter de l'huile pour venir préparer. On part à la boutique des fois, avec la pirogue, on paye de l'argent, parfois 100 francs, parfois 50. Et par jour, on part à la pirogue plusieurs fois. On traverse avec la pirogue pour arriver à l'école. Cette nouvelle vague d'inondations qui touche l'extrême nord ces derniers jours est une énième parmi tant d'autres. La région traversée par plusieurs fleuves a vu des digues et ponts céder au fil des années avec des répercussions sur la vie des populations.
Ces cas d'inondation et d'insécurité observés dans les villes du Cameroun sont les conséquences de la non-prise en compte des contributions des populations dans l'exécution des projets publics. C'est l'un des maillons faibles des politiques publiques au Cameroun. C'est du moins ce que révèle la société civile qui note une absence d'approche inclusive dans l'élaboration et la conception des projets d'utilité publique. D'autres précisions avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. De l'exploitation manuelle des minerais à l'est du Cameroun, une activité qui se pratique dans des conditions irrégulières, quand bien même des entreprises sont agréées, les riverains et l'État ne rentrent pas toujours dans leurs droits en termes de réalisation socio-économique, de taxes, ni même de préservation de l'environnement. Il est encore assez difficile pour voir concrètement comment est-ce que ces transferts infranationaux sont opérés, parce que le dispositif au niveau du ministère des Finances ne le permettait pas encore. Le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire s'intéresse aux questions minières, mais aussi à la passation des marchés publics, entre autres. Des marchés souvent mal exécutés avec au départ des flous sur les contours de passation. Le ministère des marchés publics est en train de nous présenter une liste des projets qui n'ont pas été achevés et des entreprises qui n'ont pas respecté leur cahier de charges. Cela pose un problème. Parce qu'une fois que nous avons dressé une liste, mais on ne sait pas que deviennent effectivement ces entreprises par la suite. Bien évidemment, il y en a certains qui se représentent les années suivantes parce qu'on peut manipuler les dossiers, changer de nom, ainsi de suite. Sur l'un et l'autre sujet, la société civile est convaincue que les populations et les acteurs communautaires bien informés participent mieux à la bonne exécution et au bon suivi des projets. Je pense qu'en tant que population, nous sommes aussi interpellés parce que c'est à nous à veiller à l'application, au respect de nos intérêts. Dans le cadre des plateformes communes de travail et de collaboration, les maires, les membres des comités de développement et les chefs traditionnels œuvreront à assurer la transparence dans la conduite des projets. But de rechercher la contribution à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable et donc l'amélioration des conditions de vie des populations. L'organisation et le fonctionnement d'un comité interministériel des services locaux viennent d'être définis dans un décret présidentiel. Ce comité a pour mission d'assurer la préparation et le suivi des transferts des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Placé sous la présidence du ministre de la décentralisation, il est composé entre autres des représentants des régions, des représentants des communautés urbaines, des représentants des communes et des acteurs de la société civile. Parlons à présent de la crise sanitaire. Le Cameroun enregistre de nouveaux cas positif de Covid-19 et de nombreux décès continuent d'être enregistrés à travers le pays. Des médecins tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt un relâchement criard des mesures barrières à travers le triangle national. D'autres précisions avec Nadine Yambou et Farel Bounia. Alors que plusieurs pays occidentaux sont confrontés à une résurgence de la maladie à coronavirus, avec à la clé de nombreuses restrictions telles que le reconfinement, au Cameroun, des médecins alertent sur le spectre d'une seconde vague virale du SARS-CoV-2 au regard de son évolution et de ses mutations inquiétantes dans le monde. Si les tests de Covid-19 datant d'au moins 3 jours sont obligatoires pour tous les passagers qui entrent et qui sortent du territoire camerounais, des médecins n'excluent pas une possible recontamination de la population vu les moyens de transmission du virus. Dans les rues, à travers le pays, le relâchement des mesures barrières est bien perceptible. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains ne sont plus d'actualité. Or, la bataille contre cette pandémie mondiale est loin d'avoir livré son verdict. Le virus continue de faire des ravages au sein de la population camerounaise si l'on s'en tient aux statistiques du ministère de la Santé publique. Sur le plan épidémiologique, au 1er novembre 2020, le Cameroun a enregistré 673 cas en 2 semaines avec 5 décès. Classée 5e région la plus touchée, le Nord-Ouest cumule 893 cas positifs avec 36 décès à la même période. La région du Nord la moins touchée totalise 197 cas et 13 décès au 21 octobre 2020. En près de 9 mois de crise sanitaire, le gouvernement,
ajuste sa stratégie de riposte. Une enquête de séroprévalence est en cours dans les 10 régions du pays. Elle vise notamment à savoir si les populations ont été en contact avec le virus et mieux comprendre comment il circule au sein de la communauté. Des tests sanguins sont également effectués afin d'identifier la présence d'anticorps dirigés contre la COVID-19, précisent des médecins. Malgré la résurgence de la pandémie dans les pays étrangers ayant des liens commerciaux importants avec le Cameroun, les frontières sont ouvertes et le gouvernement insiste sur le renforcement des mesures barrières, des armes efficaces pour barrer la voie à cette pathologie. Dans le cadre de l'affaire des manifestations du 22 septembre 2020, 28 demandes d'habeas corpus ont toutes été rejetées au tribunal de grande instance du Fundi et du Mungo. Le collectif d'avocats Sylvain Swap dénonce ainsi le manque d'humanité autour des procédures pénales initiées à l'encontre des manifestants. Ils sont près de 155 placés sous mandat de détention provisoire. Ce collectif d'avocats déclare que certains prévenus ont subi des tortures physiques, d'autres dénonce des abus d'autorité sur les biens, les avoirs et les effets mobiliers au moment des arrestations et des détentions jugées arbitraires. Les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi suite à ces dénonciations d'actes de torture physique sur les manifestants du 22 septembre 2020, dont ils sont près de 155 placés en détention provisoire selon leurs avocats. Évoquons à présent ce litige foncier dans le département du Mungo. Il oppose une famille et le maire dans l'arrondissement de Loum. Cette famille a manifesté sa colère, dénonçant une tentative d'accaparement de leurs terres qu'elles disent occupées depuis une vingtaine d'années. Faux, retorque le maire, qui estime que cette famille brandit des documents qui ne leur permettent pas de s'approprier l'espace querellé. Évocation avec Charles Jacques Molan et Julingué Nyondé. Une famille aux abois à Loum, dans le département du Mungo. Il s'agit de la famille Lagué. Elle proteste contre une tentative d'accaparement de leur terrain. Elle affirme détenir tous les documents lui permettant de jouir de ce bien. Un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines. Face à la sourde oreille du maire de la ville, la famille est descendue dans la rue, munie des pancartes, pour contester ce qu'elle qualifie d'abus de l'autorité municipale. Le même Gomlan, aujourd'hui 20 ans, qui nous a offert ce terrain parce que nous siégeons chez un particulier. Le maire a eu pitié de nous essayer ce terrain. Et nous avons payé les papiers pour le tir foncé. On était surpris un jour qu'on a porté une plainte à la mairie, disant que le terrain ne nous appartient pas. On a rencontré les agents de la mairie, on a causé, on nous a donné gain de cause que le terrain nous appartient. En quelques jours, le maire est revenu sur le terrain, casser tout, casser la barrière, les parpaings, détruit tout ce qu'on avait sur le terrain. Nous avons servi le sous-préfet, nous avons servi le préfet. Vous étiez là dernièrement. Et vous avez su de quoi il était question. Et il vient maintenant prendre le terrain au compte de qui? Donc nous venons seulement lui dire qu'il sache que le terrain ne l'appartient pas. Il défend maintenant au compte de Benin ou à son compte personnel. Joint au téléphone, le maire donne sa version des faits et remet en cause l'authenticité des documents brandis par les plaignants. Vous dites qu'il présente les documents, donc tout le monde qui présente les documents, tu sais que ce document est vrai. Et dis une chose que je ne veux pas, les discussions qui n'ont pas de sens. Si on vous a dit que le fait qu'on manifeste partout, là, tu as vu qui est mort par rapport à ça. Et je n'ai pas le temps par rapport à ça. Tu t'es arrêté là, c'est un fou, arrêté. Mais la famille Lagué ne compte pas lâcher prise. Ce litige foncier risque d'être porté devant les juridictions compétentes pour arbitrage. Cap à présent aux États-Unis où les partisans de Joe Biden continuent de célébrer sa victoire à la dernière élection présidentielle américaine. Évocation avec nos envoyés spéciaux Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayou à Washington. Le verdict tant attendu d'élection présidentielle américaine est enfin tombé. Le candidat démocrate Joe Biden devient le 46e président des États-Unis.
Après l'annonce des résultats, des centaines d'Américains ont convergé vers la Maison Blanche pour laisser exprimer leur joie. Ambiance. My impression about this victory is that it is amazing for the American continent. C'est incroyable de voir une femme noire élue vice-présidente aux États-Unis. C'est si émouvant de voir les Américains sortir tous ensemble pour fêter cette victoire et nous espérons le meilleur pour le futur. As Americans were coming together to see everyone being so rejoiceful about this victory and we hope for the best. So it's wonderful to see. C'est incroyable de voir tous ces gens sortir pour venir célébrer la démocratie chère à notre pays. J'espère une transition pacifique du pouvoir comme l'exige notre tradition. Nous attendons de lui premièrement qu'il baisse les tensions dans le pays et puisse réunir les Américains. Nous ne pourrons rien accomplir si tout le monde se bat contre tout le monde, comme cela a été le cas durant ces 4 dernières années. Un sens de satisfaction, mais aussi de fierté. D'avoir choisi un nouveau président qui va certainement apporter un peu de sanité, un peu de propreté, un peu de calme dans les affaires publiques, mais surtout aider à la réconciliation et à reconstruire le tissu national qui est bien à mal. C'est un moment de diversité dans notre pays. J'ai toujours voulu d'un président qui pourra réunir tout le monde. Our 46th president, Biden, he just, you know, win like 306. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre candidat Biden comme 46e président des États-Unis. Le monde entier est en fête. L'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Sud, mais aussi le Bangladesh et l'Inde. Nous sommes ici pour demander à Trump de quitter la Maison Blanche. Biden, il est en route. Washington, will you leave Washington out of Trump? Biden is coming. Trump out of go home. Go home. Thank you. Thank you. Et nous avons demandé leurs impressions après l'élection historique de Kamala Harris, première femme noire à occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. C'est quelque chose de magnifique. C'est un événement qui aurait dû se produire bien plus avant. Mais bon, je suis content d'en être témoin aujourd'hui. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir un jour dire à mes enfants qu'une femme noire, d'une famille originaire d'Asie du Sud-Est, a pu occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. Je pense que c'est un grand signe et c'est un signe fort. On dirait que durant ces élections, les millenniums, comme on dit, ont eu un grand impact. Et avoir une femme noire vice-présidente, c'est vraiment quelque chose de fort. Et j'espère que ça peut être quelque chose qui instruit le public. Pas seulement aux États-Unis, mais peut-être ailleurs en Afrique, au Cameroun et ailleurs, de comprendre que c'est possible de changer les choses en bien, c'est possible de faire briller son rêve, c'est possible de créer une société plus juste, une société qui s'ouvre et qui n'a pas peur de l'autre. Donc c'est une grande joie pour la communauté noire américaine aux États-Unis et par extension pour beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Américains qui pensent du bien pour les États-Unis. Harris, she's good. Is first time woman in U.S. history, vice president. L'élection de Harris comme vice-présidente aux États-Unis est formidable. Pour le peuple indien aussi, puisqu'elle a des origines indiennes. Cela montre que les minorités prennent de plus en plus de pouvoir dans ce pays. Obama avant before, c'était Obama, aujourd'hui c'est Harris. J'en suis très fier. Et il compte bien poursuivre les festivités jusqu'à l'investiture de Joe Biden prévue pour le 20 janvier 2021. Au Cameroun, cette élection présidentielle américaine a été suivie de près et le chef de l'État, Paul Biya, a félicité le président élu américain Joe Biden et l'a assuré de sa disponibilité à travailler pour renforcer les excellentes relations bilatérales entre Washington et Yaoundé. Mais qu'est-ce qui pourrait bien changer dès l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir d'ici janvier 2021? Je vous propose de suivre l'analyste politique Joseph Leangula qui scrute déjà les relations bilatérales entre Washington et Yaoundé sur fond de tensions politiques, mais également de partenariats économiques très poussés. Blanche se montre très optimiste et voit dans l'élection de Joe Biden un signe du renouveau de la politique africaine des États-Unis. Un renouveau qui serait d'abord visible dans les rapports que le président américain entretiendrait avec l'Afrique.
Joe Biden a promis d'engager une relation respectueuse avec le continent, une manière de prendre ses distances avec son prédécesseur, dont la relation avec le continent oscillait entre méconnaissance, indifférence et mépris. Le renouveau sera également perceptible dans le rapport aux diasporas africaines. Joe Biden a promis justement d'améliorer les conditions de ces diasporas qui a été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Il prévoit également de lever le travel ban qui avait été instauré par Donald Trump, notamment pour limiter les visas à certains États comme le Nigeria, la Somalie, mais aussi le Soudan. Et puis, plusieurs personnes estiment qu'en raison de la forte présence dans l'équipe de Joe Biden, d'anciens conseillers Afrique de Barack Obama, il est possible qu'on assiste effectivement à la poursuite des politiques qui avaient été initiées par Barack Obama en son temps, notamment le programme Africa Power, destiné à électrifier davantage l'Afrique, le programme Yali Africa, Young Africa Leadership Initiative, qui visait notamment à construire, à dynamiser un leadership jeune sur le continent. Il est probable que des conseillers comme Susan Rice, Anthony Blinken, ou encore Nicola Burns, où Michel Gavin poursuivent effectivement ces initiatives qui avaient été engagées par le prédécesseur Barack Obama sur le terrain de la démocratie et des droits de l'homme. Il est également possible que le camp des démocrates en Afrique se renforce avec le soutien américain, parce que l'électorat américain, l'électorat démocrate en tout cas, est très sensible à cette question. Joe Biden lui-même s'est engagé effectivement à restaurer le leadership américain sur ces questions de valeur. Donc il est possible qu'on assiste à une offensive des Américains sur les questions politiques qui aujourd'hui sont au cœur du débat sur le continent, la question du troisième mandat, la question de la restriction des espaces de liberté. C'est des enjeux sur lesquels l'Amérique effectivement entend jouer un rôle nouveau. Joseph Leyangola, analyste politique qui scrute le futur des relations entre Washington, Yaoundé et d'autres pays africains. En bref, à présent, ces images des lions indomptables au Cameroun, au stade annexe Omnisport de Douala, séance d'entraînement à huis clos, partiellement ouverte à la presse, mais sans interview, pour cause de respect des mesures barrières, selon le Team Press Officer. Ils sont déjà sept lions indomptables dans la tanière. Le gros des troupes étant attendu pour les prochains jours. Un rassemblement dans la perspective de la confrontation entre les lions indomptables et leurs adversaires du Mozambique. Un match qui va se jouer d'abord le 12 novembre ici au Cameroun et ensuite le 13 novembre prochain, match éliminatoire pour la CAN 2022, les Lions qui ont assisté à une séance d'entraînement à huis clos partiellement ouverte à la presse camerounaise. Une légende du football mondial et ancien capitaine des Lions indomptables a posé un acte d'humilité qui marque les esprits au Cameroun. Samuel Eto'o fils, victime d'un accident de la circulation ce week-end, a retrouvé l'auteur de cet accident dans un commissariat. Il s'est assis à même le sol pour discuter avec ce chauffeur incriminé. Ensuite, il a retiré sa plainte et conseillé à ce chauffeur d'être plus prudent sur la route. Les images amateurs de cette scène de Samuel Eto'o fils assis à même le sol, discutant avec le chauffeur d'un véhicule responsable de l'accident dans lequel il a failli perdre la vie, mais qu'il en est sorti indemne. Il a posé un acte d'humilité qui a été salué par de nombreux Camerounais sur les réseaux sociaux et à travers le pays. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Joseph Bétiassomo, ministre de la Défense, sur instruction du président de la République, est dans le sud-ouest Cameroun. Il y a effectué une visite d'abord de réconfort
aux familles des victimes des massacres survenus à Koumba. Il a également annoncé qu'il y aura un renforcement de l'opération militaire sur le théâtre de la crise anglophone. Il a également encouragé les soldats camerounais à continuer de redoubler de vigilance face aux terroristes, a-t-il indiqué durant sa tournée dans la région du Sud-Ouest. Également demandé l'implication de toutes les populations afin de dénoncer les auteurs de ces exactions et autres cas de violence meurtrière dans les régions en proie à une guerre depuis près de 4 ans. Sajalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Sajalan. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'il en soit.